Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le directeur le plus extraordinaire, le 92.2, votre animateur Bob et Baka. Bienvenue du côté des Bakassou, bienvenue à vous du côté de Brazzaville, bienvenue à vous du côté de Kinshasa, bienvenue à vous du côté d'Élégance, bienvenue à vous du côté de Filou, Simon, Gomatete, Kibossi, Kibwende, Amon, Madia, Matumbo, Brusso, Les Banda, Maseka, mes frères et sœurs, Ngilai, pour ceux qui le connaissent, Monsieur Gafina. Monsieur Gafina, bienvenue dans Ebakasho. Bienvenue. Ngili, c'est un plaisir pour moi de t'avoir dans Ebakasho parce qu'effectivement, ça fait 6 ans que tu es rentré. 6 ans, il s'est dit beaucoup de choses. En 6 ans, tu m'as dit quelque chose que j'ai retenu. Tu m'as dit, Yabob, moi, s'il y a quelque chose, ça fait 4 ans que je rêve de parler de Ebakasho. Tu as maintenu ton silence, tu t'es tu. Mais malgré ça, il y a toujours le bruit. Ngili Ngilai a été chassé. Ngili Ngilai, les 10%. Moi, j'ai eu quelqu'un il y a 4 jours qui m'a encore dit, oui, mais Ngili Ngilai, oui, il a été passé parce que madame Etoka l'a chassé. Ngili, bien. Bienvenue, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Ngili? Bienvenue dans Ebakasho, parce que vraiment, il se dit beaucoup de choses sur toi. Je te poserai les questions, tu vas répondre. Ngili Ngila, bienvenue dans Ebakasho. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Ngili? Parle un peu plus fort, oui. La question me revient. Ouais, la question te revient. D'accord. Alors, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Même, je crois que le PDG lui-même, il comprend pas. Comment ça se fait qu'une grande personnalité comme moi, née en France, est-ce que moi je peux demander? Je ne demande pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quels sont les 10%? Quelles sont la raison à laquelle je peux vous publier la note de la radiation? Ngili, on m'a dit, effectivement, quand on est venu vous chercher, nous étions chez Karine. Vous êtes rentré au Congo, tout le monde était content de vous voir derrière votre frère Willy et Toka. Vous étiez aussi nombreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment, au bout d'un an, 2 ans, on vous chasse, vous revenez ici? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Ngili était en train de prendre les 10% pour rencontrer Willy et Toka. On a dit que Ngili faisait de la prostitution. C'est toi qui emmenais toutes les femmes à Willy. On m'a raconté beaucoup de choses. On va avoir ta vraie version. Pourquoi tu es parti de chez Willy qui est ton frère? Tu viens de le dire même lui-même. Il y a combien de points dont je dois répondre? Il y a chassé, il y a les 10%, il y a les femmes et il y a quoi? C'est à toi de voir, c'est à toi de répondre. Bon. Donc je réponds sur certains points qui me l'ont. Alors, aujourd'hui, moi, c'est pas moi qui fais la personnalité de Willy et tout. Ça c'est un. Deux, je n'ai jamais pris les 10% de Willy Etoka parce que sur les 10% de Willy Etoka, je serais milliardaire. Puisqu'il est milliardaire. Donc si j'en fais 10 ou 20, j'en suis un. D'accord? Ou sur les 20%. Ceux qui m'entendent doivent être un peu intelligents. Ceux qui n'ont juste 10% de Banalinga, là, il y a quand il y a Willy Etoka, celui dans sa liste 20 transactions, il faut la banque. Parce que là, on doit blâter. Willy et Toka commence les transactions à 10 milliards. Donc si j'ai 10% de ces transactions, ça me donne combien? Babegui Sibinopoel. Babegui Sibinopoel, il faut la réponse à Moté Mabé. Willy et Toka, il pour rien. Moté Mabé, on l'a intrigué. En lui disant qu'on dit lui. Prends les 10%. Mais les 10% de quoi? De les transactions dont lui il fait. Ce ne sont pas les transactions que moi je fais. Et c'est à qui il donne les transactions? C'est pas à moi. Bah oui, c'est que l'air va bingisibino, bah pèse l'icône pour ne pas que tu te retrouves en guerre. Au fond, il soi-disant boucherie. Boucherie, est-ce que c'est vrai toutes ces histoires et Yokani? Ça a été très ridicule que Ngaïna à la Brazzaville et toi, moi, Naya Willy, parce que c'est mon grand frère. Je ne veux pas parler de ça. Ça a été, même à l'enterrement de mon père, ça a été très éduqué. Je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça. Revenons sur votre retour. Moi, j'ai envie que tu nous dises tes meilleurs moments au Congo quand tu étais avec ton frère Willy et Toka.
les moments les plus difficiles quand tu étais avec Willy Toka. Et quand tu es revenu à Paris, j'ai vu que tous les Parisiens étaient en train de te regarder, se foutre de toi. Qu'est-ce que tu peux leur répondre aujourd'hui en tant que Français? On a été toujours bien, on a bien vécu. Je vivais bien, j'avais mon salaire, je n'ai jamais eu d'un pays. Voilà. C'est un grand frère qui a voulu m'aider, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'intrus. C'est malheureux à l'Afrique. Être africain, c'est être maudit. Je sens que tu parles avec beaucoup d'émotion. Oui, hein. Beaucoup. Ça t'a fait beaucoup de mal, hein, le fait de te séparer avec Willy Toka. Le grand frère m'a soutenu. Il m'a fait rentrer à Brazzaville, il voulait m'aider. Mais il y a eu beaucoup de problèmes. Si un message que tu peux transmettre à Willy Toka aujourd'hui, tu peux lui dire quoi? Celui que ça réussit. Qui réussit. Tous les détracteurs qui t'ont dit... Maintenant, les détracteurs qui se moquent de toi, Ngueli Ngueli a échoué, Ngueli Ngueli a perdu, Ngueli, qu'est-ce que tu peux leur répondre ce soir? Qu'ils évoluent. Qu'ils évoluent. Pour le mot de la fin, Ngueli Ngueli, je vais te laisser 2-3 minutes pour parler à tes frères de Mpila, tes frères de Wenzé, les meilleurs moments que tu as vécu. Toute la République t'écoute. Le grand prêtre, c'est Willy Toka. Il a voulu le faire de moi une personne. Les autres n'ont pas voulu, mais ça viendra. C'est tout. Tu es convaincu que ça viendra? Ça viendra. Il reviendra te chercher? C'est pas qu'il reviendra me chercher. C'est que ça viendra. Ngueli Ngueli, merci d'avoir accepté cette interview. Merci encore parce que ça fait quand même 6 ans que tu es rentré. Je reconnais sa personnalité. Que Dieu bénisse le Congo. Merci Ngueli. Merci Willy. Il y a Parfait Ngandaloki qui vient de se connecter. Qu'est-ce que tu peux dire à Dziki? Il est en ligne là. Ton parent Bateki. Dziki Ngandaloki. Il se porte bien. Dziki Ngandaloki, il a dit que tu te portes bien. C'était Ngueli Ngueli, 6 ans après son retour dans Paris. Paris, Gare du Nord. Très chers compatriotes, vive la République. Je suis toujours à Ngueli et toi. Bon. Eh bien, vous avez tout entendu. Willy et Toka, le message est passé. Ngueli est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Bata, Sangi, Sangi, Boutika, Likupa, Ya Ngueli, Na, Willy et Toka. Bon. Nagoton a été. C'est le seul dans ma vie qui m'a donné 10 000 euros. C'est le seul qui m'a ramené à Brazzaville. C'est le seul, je témoigne, qui m'a redonné encore 10 000 euros. C'est le seul qui m'a donné 30 000 euros. Il faut arrêter. Je ne peux pas le trahir. C'est mon grand. Il sait pourquoi il l'a fait. Je pleure même. Je l'ai senti. Arrêtez. Je suis en France. Je ne dépends plus de lui. Ça fait 6 ans. Arrêtez. C'est pas gentil. Arrêtez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons partager l'émotion de Ngueli. Arrêtez, foutez-lui la paix. Il aime son frère, donc arrêtez. Arrêtez, c'est mon patron. Arrêtez. C'est la mauvaise foi. Arrêtez. Merci d'avoir parlé du fond du cœur. Bienvenue dans les Bakasho. C'était Ngueli Ngueli, monsieur Gafina. Je résiste, les gars, votez-moi ma paix, avez la gare. Dieu, avez la gare. Vegas Simba. Vegas Simba. Bana privé, Badimodia, c'était Ngafina en direct des Bakasho. Merci Ngueli d'avoir parlé avec toutes tes émotions. Merci Ngueli, merci. Je coupe tout de suite. Merci. Coupe. Bonne soirée.